Eh bien, nous ne pouvons pas parler de la forme actuelle de l'équipe nationale parce que nous n'avons plus actuellement d'équipe nationale, puisque après 2017, l'équipe s'est dissoute, pas beaucoup de problèmes internes et personnels. Donc aujourd'hui, la fédération est en train de mettre une nouvelle équipe en place, puisque on dit dans notre vie, il fut un temps où des gens font leur choix. Et quand ils font le choix, il faut leur respecter cela. Donc il y a ceux qui ont fait le choix de rester en Europe et ne pas chercher à se faire accompagner par la fédération. Donc nous avons pris notre résolution de dire que ceux qui ont fait leur choix continuent et nous, on continue à faire confiance aux locaux que nous avons. Et avec cela, nous allons travailler et réussir également notre mission. Les vice-champions du monde, nous avons la chance d'avoir aujourd'hui le meilleur joueur béninois, qui ne pas dire le meilleur tireur au monde pendant le championnat du monde à Madagascar, qui est Marcel Bio Terrazini, qui a su faire confiance à son pays, qui a su garder la noblesse de son engagement et qui fait qu'aujourd'hui nous comptons encore sur lui et nous comptons avec lui puisqu'il est resté au pays, il est revenu, il est rentré. Donc il fait souvent des compétitions internationales. Et il demande à la fédération, quand il bouge pour jouer avec d'autres joueurs de d'autres nations, ben on lui permet cela pour qu'il puisse d'abord s'entraîner et s'aguerrir également de beaucoup de choses avant que cette nouvelle équipe nationale qui va se constituer avec lui, où il sera le capitaine donc pour pouvoir accompagner cette nouvelle équipe.